Sur son compte Instagram, Anthony Delon a adressé un élégant hommage à Harry Boulogne, le fils illégitime d'Alain Delon. Il a notamment eu une pensée pour les deux enfants du photographe mort à 60 ans. On a appris, ce samedi 20 mai, la disparition d'Harry Boulogne. Le photographe de 60 ans a été retrouvé mort à son domicile. Celui-ci avait toujours affirmé être le fils d'Alain Delon, mais l'acteur avait refusé de le reconnaître. Il avait pourtant entretenu une très brève liaison avec sa mère Nico, la star du Velvet Underground. Et la mère du monstre sacré du cinéma français avait même choisi de l'élever à la demande de sa mère défaillante, considérant qu'il était son petit-fils. Elle l'avait d'ailleurs adopté en 1977. Anthony Delon exprime sa tristesse après la disparition d'Harry Boulogne. Anthony Delon a rendu un vibrant hommage à Harry Boulogne sur son compte Instagram, ce samedi 20 mai, en début de soirée. Repose en paix Harry, une destinée tragique. Tristesse. Une pensée ce soir pour ses deux enfants, a-t-il écrit en légende d'un carré noir où figure simplement la mention RIP. Le photographe était en effet le père de deux enfants, un fils, Charles, né en 1999, et une fille, Blanche, née en 2006. Ses abonnés ont été sensibles à l'élégance du message de l'acteur. Même si le père ne l'a pas reconnu, le fils lui rend hommage. Anthony au grand cœur. RIP Harry. Que son âme repose en paix, vous avez tellement de sensibilité en vous. Vous êtes un grand humaniste, ne changez jamais. Vous êtes quelqu'un de rare, bravo pour votre élégance, Anthony, vous avez un cœur immense. Tellement d'élégance et de compassion dans ce post, pouvait-on lire parmi les commentaires. Dans Tout le monde en parle, l'émission de Thierry Ardisson en 2001, Harry Boulogne avait évoqué sa brève rencontre avec Anthony Delon, à l'initiative de Serge Gainsbourg, alors qu'il avait 18 ans et Anthony 16 ans, notant sa gentillesse indéniable même si un courant ne passait pas entre eux. Harry Boulogne avait évoqué sa rencontre avec Alain Delon dans les colonnes de Libération en 1986. Harry Boulogne avait partagé une terrible anecdote au sujet de son père supposé, qui refusait obstinément de souscrire à sa demande de reconnaissance en paternité. Alain Delon, une main sur le volant, l'autre me tapotant l'épaule, me tient ce discours, « T'es mon pote, toi, t'es mon pote. » Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n'ai couché avec ta mère qu'une seule fois. Viewsis post ton Instagram à post shared by Anthony Delon @terial Anthony Delon, à lire aussi mort d'Harry Boulogne, pourquoi la mère d'Alain Delon l'avait recueilli et adopté? Step a goddess.